Le Musée national de l'histoire de l'immigration compte parmi sa collection l'œuvre Anatolia, d'un artiste espagnol. Fabriqué avec du caoutchouc noir, il fait référence par ses motifs aux kilims d'Anatolie et par son matériau au tapis roulant des aéroports. Cette œuvre est une invitation au voyage. Il te faut du carton fin, de la laine, une paire de ciseaux, une règle et un crayon. Découpe un morceau de carton fin en format A6, ce qui correspond à peu près à 10 cm de largeur et 15 cm de longueur. Trace des bandes verticales d'un centimètre de largeur. Tout au bout, tu vas tracer des petits triangles. Tu peux les faire à main levée. Maintenant que ton métier à tisser est prêt, tu vas enrouler de la laine autour du carton. Tu fais d'abord un nœud. Et ensuite, tu enroules entre les triangles. Tu coupes. Et tu fais un autre petit nœud pour que cela tienne. Choisis un fil de laine de la couleur de ton choix qui fasse la taille de ton bras. Découpe-le. Maintenant, tu vas l'attacher à ton métier à tisser. Tout en bas, à droite comme à gauche, peu importe, et tu fais un petit nœud. Maintenant, il est temps de commencer à tisser. Passe dessus, dessous de chaque ligne en tirant la laine vers toi. Quand tu arrives à l'extrémité, tu recommences dans l'autre sens, dessus, dessous, et ainsi de suite. Tu tasses un petit peu à chaque fois. Et tu continues. Tu peux choisir une autre couleur. Et tu l'attaches à la première. Et pareil. Dessus, dessous, dessus, dessous. Les petits nœuds, on les cache derrière. Quand tu arrives au bout, fais un nœud à l'un des fils du métier à tisser pour terminer. Et tu découpes. Maintenant, retourne ton métier à tisser et coupe tous tes fils au centre du carton. Enlève délicatement le carton. Voici ton tissage. Et maintenant, sur les extrémités, tu vas faire un nœud avec les fils du métier à tisser, histoire que ça tienne. Pour finir, tu peux tailler les petites pointes au ciseau. Voici ton tapis. Tu peux même l'encadrer. Inspire-toi de l'œuvre Anatolia d'Eduardo Arroyo que tu trouveras sur le site du musée.